mon sort. Et à l'instant, je vais être attaqué par Billy Turco, alors qu'il va se sentir par contre à partir de Billy Turco en permanence sous l'attaque de Billy Turco. Sébastien, rentrée gagnante pour Billy. Oui, super, elle gagne bien, voilà. La jument était super bien au boulot, donc on est assez confiant quand même, le 8 était parfait, donc voilà, il n'y a rien de spécial. La jument, elle a pris un peu d'état, elle est beaucoup plus belle que pour le critérium, et puis elle a confirmé que le critérium, c'était pas non plus une surprise, donc c'est super. Que c'était la meilleure, simplement. Ouais, la meilleure, je sais pas, mais dans les femelles, c'est sûrement la meilleure, ouais. Dans le night tournant, est-ce que tu as douté quand tu as vu Beauty Turco revenir? La jument est dure, la maison travaille super bien, c'est pas la jument qui va cramer. Peut-être qu'elle se fera un jour battre sur une pointe, mais c'est pas la jument qui va cramer. Surtout qu'elle a soufflé un petit peu dans le dos de Jean-Pierre un petit peu quand même. Elle a fait 600-700 mètres dans le dos de Jean-Pierre, donc elle a pu un peu respirer, puis après elle a fait les derniers 600 mètres. La suite de son programme? Elle va faire un autre speed classique, je crois, et après le prix Albertville dans la foulée avec les mâles. Donc elle a encore un speed classique que femelle, donc je pense qu'on a une première chance. J'essaierai peut-être de la mettre sans enrayement pour le prochain speed classique, parce qu'elle n'a pas besoin d'enrayement, je pense. La maison travaille sans enrayement, elle est parfaite, donc on essaiera ça. Fabrice, content de cette rentrée? Ouais, la jument avait besoin, hein, certainement, parce qu'elle n'a pas couru depuis 3 mois. Donc voilà, elle court bien, elle a été sage. Atteler, c'est elle pas toute simple, hein, donc voilà, c'est de bon augure. En plus, elle a l'air de prendre ça bien, donc c'est très bien. Tombé sur un os, hein? Ouais, non, bah la jument qui gagne, c'est une toute bonne jument, mais je pense que bon, elle ne démérite pas. Hein. Elle n'avait pas couru depuis un moment, l'autre était certainement plus prête que la mienne. Donc voilà, très bien. Manu, troisième, c'est une agréable surprise? Bah ouais, vu le lot, c'est bien. C'est une vraie jument de vitesse? Ah par contre, ça, ouais. Voilà, l'autre jour, j'ai fait des inventions en voulant mettre des plaques. Et la jument, ça n'a pas été du tout, elle avait pas pied. Donc résultat, j'étais au galop d'en abordant le premier tournant. Et puis bah ça va, elle a rattrapé le coup aujourd'hui, elle est sympa. Un petit peu ennuyée dans le dernier tournant? Ouais, je pense que celle-là, M. Dubois, elle a poussé un petit peu en dehors au moment où je baissais les œillères. Donc peut-être que la mienne a fait un petit peu l'effet inverse, mais j'étais obligé de l'arrêter suite à un accrochage. Après elle s'est bien relancée, ça coûte sûrement la seconde place, bon bah c'est comme ça. On a vu une joie particulière au passage du poteau. Ouais, c'est de ta faute. Yeah.